Bonjour et bienvenue, on est de retour pour plus de la survie du week-end. Donc nous sommes dans notre petite cabane, on est arrivé dans la nouvelle zone de la partie 5. Nous sommes dans notre toute petite cabane, on va prendre ça sur nous. On a quelques... Ah bah on a récupéré pas mal de vie, vous voyez on est même dans le bleu là, c'est très très bien. On a récupéré pas mal de vie, donc c'est une très très bonne chose. On va pas boire complètement, on va manger un peu de ça. Très bien. Nickel. Nickel, nickel. On est à 40, en dessous des 45. Très bien. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est chauffer des boissons, mais on a peu de... On a très très peu de bois. Et pour le moment, on est en hauteur, donc le bois, ça court pas les rues. Donc, on va tout simplement avancer. On va tout simplement avancer. On a encore un beau temps pour le moment, c'est une bonne chose. Je crois qu'on a eu, quand on a dormi entre le dernier épisode et aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une tempête en fait. Donc ça c'est le loup qu'on avait tué. Donc nous on va aller sur le côté gauche. On va aller un peu plus en intérieur des montagnes. On va voir s'il n'y a pas plus de bâtiments. Ou alors à la limite des choses à récupérer, genre de la nourriture, tout ça. Je suis assez content pour la vie. On a bien fait de boire la tisane. Vous voyez que là, on est bien parti. Faudrait qu'on en fasse un peu plus des tisanes. Parce que là, j'aurais dû en prendre plus, en fait. J'aurais dû prendre plus de choses, en fait, en général. On est assez limité. Genre, on vient d'arriver dans la zone. On a déjà utilisé une tisane. C'est pas très très bon signe en fait. Voilà, on va un peu accélérer. Ah! Ok, il y a plein de massettes et tout ça en fait. Ok. C'est joli ça. Déjà froid, un peu déjà froid. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, je pense pas qu'il y ait grand chose en fait. On va revenir, on va passer le pont. Bon, il y a plein de massettes. Il y a plein de massettes, c'est pas mal. Enfin, il y en a quelques-unes. Donc on va pouvoir se nourrir un peu de massettes, on va dire. Sans puiser dans notre réserve. Je sprint un peu pour éviter... Oh, il y a des lapins aussi. Alors, cette zone est pas mal. La zone contaminée était vraiment une horreur parce qu'il y avait que des loups où il n'y avait pas de choses dessus. Là, ça va. Elle était belle, celle-là. Did I say I hate being cold? Because I really do. Désolé, c'est un peu le bordel, mais j'essaye d'utiliser l'arc qui est abîmé. En fait. Merde, quel con. Oh, il y a une grotte. Mais putain, ah, t'énerve pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On va se mettre à l'abri. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas de bois quelque part. Du charbon peut-être. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a chaud à l'intérieur? Non, pas chaud. Oh, c'est quoi? Ah, mais c'est pas une vraie grotte, c'est une sorte de tunnel en fait. Et le tunnel, il fait froid à l'intérieur. Super. Moi qui pensais me réchauffer. On devrait peut-être continuer le chemin. Ah, il y a plusieurs. Ah. Des signes de vie. Enfin, vite fait quoi.
C'est un peu bête qu'il fasse froid en fait. Mais bon, on a des signes de vie donc on va continuer de ce côté là. Désolé, je sais que c'est très très embêtant d'aller tout le temps dans l'inventaire là, mais... C'est pour notre bien. Bon, on va essayer d'avancer un peu vite. Essayer peut-être de trouver du bois, ce serait bien. Là, on a un lapin. On peut le jeter au pire, si jamais on a besoin de d'appât. Si on trouve du bois, encore une fois, on fait un feu pour se réchauffer et on essaie de se maintenir au chaud. Sinon, il nous faut absolument un endroit. Je suis pas trop safe aussi de... Je suis pas serein en fait de me balader avec une carcasse de lapin dessus sur moi. Dans un endroit que je connais pas. Quoi ça? Ça. Je voudrais bien dessiner aussi un peu. Mais pour le moment, on va devoir le faire à la mémoire. Hein. Ah, ok. Ok, donc il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Ça marche. Eh ben. Comment on sort les... Eh ben putain. Encore que c'est pas urgent. Hein. On va passer par le menu. Hein. Pour sortir les flares. Hein, si jamais on a besoin de sortir les flares. Alors. Est-ce que vous voyez des bâtiments? Là il y a un peu de bordel mais c'est tout cassé. Ah si, il y a peut-être une maison on peut se mettre. Ok, je crois que notre prochain camp, ça va être là. Par contre, il faut un chemin pour y accéder. Mais ouais, peut-être là-bas, là. Oh! Là-haut! Oh, ça doit être ça! Les, machin pour le temps, là. Mais attends, ouais, comment on descend? Parce que moi, je peux pas faire marche arrière. Ah, là, peut-être. Ça, là, une sorte de dôme, là. Vous voyez, devant? Ça doit être ça. Ah, faire attention parce que des fois, il y a, dans les grottes, il y a des loups maintenant. Ouais, maintenant, il y a des loups, donc faire gaffe. On va se mettre comme ça. On voit pas grand chose. La seule fois où je suis pas vraiment satisfait de voir des allumettes. Je voudrais bien prendre le lapin. Alors attendez, on va voir si on peut faire un truc. Genre. Oh, je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi. Tada! Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce système-là. Vous mettez au bord et en fait ça va tomber sur le sol le plus proche. Et du coup si vous êtes vraiment au bord, il y a deux chemins. Si vous êtes vraiment au bord, du coup vous pouvez potentiellement faire tomber les objets en fait.
Ah, vous les faites pas techniquement tomber, vous les juste vous bah ils vont sur le sol du bas quoi. Il y en a énormément, des gens depuis des années en fait font ça. Hein, pour prendre les cordes, pour les descendre les cordes, avec beaucoup de matos. Et moi je savais pas. Après moi je me suis toujours plaint en disant bah putain, on peut pas balancer les choses. Honnêtement, ce serait vraiment bien de pouvoir balancer les choses tout simplement. Mais ouais, du coup les gens font ça. Bon bah là on a réussi à le faire, c'est bien, je suis content. On a eu un charbon, ça c'est cool. Qui fait un peu jour, on n'a pas besoin de la lampe. Et si jamais il y a un loup. Ah ok. Bon, on a peut-être besoin de la lampe là par contre. Il n'y a pas de bois qui traîne. Parle pas trop parce que je devrais entendre s'il y a un loup en fait. Bon après vu la grotte, c'est très étroit. Hein. Je serais surpris qu'on trouve quelque chose. Bon, par contre, c'est bien parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul chemin. Non, j'ai rien dit. J'allais dire, il n'y a qu'un seul chemin avec des petites bifurcations en fait, mais c'est des cul-de-sac avec des récompenses. Mais apparemment, non. Que c'est peut-être un cul de sac. C'est un cul de sac. Ouais, très bien. On récupère du charbon. Très très bien. Bon, je me suis peut-être un peu perdu là. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un chemin à gauche, mais je vais essayer d'aller dans la direction que mon instinct me guide. Un truc que j'ai pas pris aussi, j'y ai pensé plus tard, c'est des bombes de peinture. Ouais, ça descend, je pense qu'on doit être bon. J'accélère un peu parce que... Ouais, on va aller là. Des bombes de peinture pour marquer des lieux comme ça, par exemple. On va le prendre parce que ça peut être utile pour le tissu. Mais ouais, bombes de peinture dans les grottes, c'est vraiment le seul endroit où ça peut être très utile. Parce qu'il y a des grottes vraiment très compliquées quand même dans le jeu maintenant. Ok. Je dirais qu'on est bon. Alors, je vais voir, on est à 49. On est chauffé. On est chauffé. 600. Et on a de l'eau. On va regarder déjà la gueule que ça a dehors, ok? On va déjà regarder, puis après sinon on rentre dans la grotte. On se repose. Ou... Alors... Oh! Ouais, non, non, on est vraiment lourd. Alors je crois qu'on n'est pas du tout du bon côté. Ah ok, il y a une biche. Je crois qu'on n'est pas, absolument pas du tout du bon côté.
Je dirais que le côté avec le... Comment ça s'appelle? Le dôme là, il devrait être... je pense qu'il doit être là-bas. Je dirais. On a des champignons, on a des animaux, on a des massettes. On a du bois, eh ben c'est très bien. On a des racines, je vois au loin. Eh ben c'est pas mal là pour le moment. Bon, cette zone est sympa parce que... Enfin, sympa. On va peut-être pas aller trop vite. Mais pour le moment, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc, faune et flore, ça va, ça gère. C'est pas comme la zone de contamination où vraiment on était obligé de survivre avec ce qu'on avait, quoi. Ça, c'est une bonne chose. Ah, j'avais oublié que c'était super long, ces trucs. C'est bien pour faire à manger. J'ai vu qu'il y avait des plats qui en utilisaient, mais... Et je crois, par contre, si on la prépare et qu'on la... on peut la bouillir ou la manger, je sais plus. Je crois que ça donne des vitamines C. Donc, dans un sens, c'est bien. Bon, là, c'est bien parce qu'on a la grotte pour se cacher. Si jamais y a un blizzard et tout. Honnêtement, c'est pas mal. Ah, faudrait qu'on... J'ai encore du charbon. Faudrait qu'on en profite. Récupérer la viande. Je prends des massettes parce que les massettes on va en manger un peu plus souvent maintenant, parce que vitamine C encore une fois. En fait faut pas rester genre sans manger de... sans ingurgiter en fait de la vitamine C pendant plusieurs jours. En fait. On peut pas genre manger que sur de la viande par exemple. Maintenant, donc faut faire attention à ça. Poser le lapin. Je vais me mettre dans la grotte. Se réchauffer, puis après je vais, on va ressortir, dessiner. J'essaie de regarder s'il y a du danger. Mais... Après, s'il y a des cerfs et tout ça, ça devrait être ok. Ça devrait être bon pendant un moment. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la viande de cerf qui est par terre là avec les corbeaux? Est-ce qu'on fait un feu à côté? J'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions sur comment on, comment ça va se dérouler. Alors. Ah oui, j'avais jamais testé. On peut l'aiguiser. Vous imaginez qu'on peut qu'on puisse pas l'aiguiser? Alors, ça. Ouais, donc ça, on peut le préparer. Et je crois qu'on peut le manger après. Je m'en rappelle plus en fait. J'ai jamais mangé ça comme ça. Je sais qu'on peut les utiliser en, en cuisine, mais. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Si, on peut les manger. Nettoyer, découper. On peut la manger directement et se servir pour préparer une tisane antibiotique naturelle. Ça fait vitamine mineure. Mais on peut en faire une tisane. Mais je crois que c'est la même tisane que. Antibiotique, ouais, c'est ça. Antibiotique naturelle. Oui, c'est pareil que ça en fait. Après, je sais pas lequel est le mieux. Je crois que le mieux, c'est de la manger. Je crois qu'elle donne plus de calories. Faudra vérifier ça. Faudra vérifier ça. C'est vu qu'on n'en a pas tellement besoin en tant qu'antibiotique. Alors, attendez. Faut qu'on mange. Du coup, on va en profiter.
modéré. Après, le système de mineur, modéré, majeur, en fait, il est extrêmement mal expliqué, mal fait. Je suis allé regarder un peu parce que, vu que pour moi, la vitamine C, c'est nouveau, je suis allé... pour éviter de complètement détruire mon run, hein, bien sûr, je suis allé me renseigner. Mais c'est très, très mal expliqué, en fait. C'est par rapport, en fait, aux calories qu'il y a dans la nourriture. Genre, par exemple, il y a 100 calories et il y a un point de vitamine C par calorie, donc c'est mineur. Mais s'il y a 2 points par calorie, c'est majeur ou des trucs comme ça, ouais. Et du coup, en fait, c'est vraiment basé sur le nombre de calories de l'objet en question. C'est un peu... ça. Il y a des fois des choses qui sont genre modérées, mais en fait, c'est vachement bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, c'est un peu ça, là, le problème. Okay, très bien. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va... on va récupérer de la viande ou pas? Après, non. Des calories, on en a des tonnes. Hein. On en a vraiment des tonnes. Pas vraiment ce qui manque. Le lapin aussi, on n'en a pas vraiment besoin non plus. Bon, on va peut-être y aller là. On a mangé un peu des massettes. On va manger... putain, c'est où ça? Ah oui, c'est vrai que c'est là. Ah, putain, ça aussi, c'est mal fait. On va manger ça. Parce que hier on a fait manger, on a mangé que de la viande, je crois bien. Il faut aller dans 35 menus, c'est magnifique. Ah, très bien, faudra qu'on fasse de l'eau. Ça, ça donne pas de calories, enfin de vitamine C. Ok, nickel. Ok, donc on est un peu lourd, on va pas reprendre le lapin. Je crois qu'on en a pas vraiment besoin, vu les calories qu'on a sur nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer, on va essayer de trouver un endroit pour se reposer, en fait. Commence à avoir un peu de vent, faire attention. Parce qu'on est fatigué, là, il faut qu'on se trouve un endroit. Après, on peut dormir dans la grotte. Si jamais il y a des problèmes, demi-tour, grotte, direct. Et là, on peut le chasser, lui. Après, il y a sa mère, là, qui est morte. Fais voir le bois. Le bois, on est bien. On a le charbon aussi. Donc si on trouve un lieu, un lapin là-bas, qui est potable, on peut dormir, on peut crécher. Sinon, grotte. Tu vois un peu? Ouais, on est un peu en fin de journée. Lapin, là il doit avoir des massettes. I'm not sure I can carry much more. S'il y a autant d'animaux, ça m'étonnerait qu'il y ait des loups gris. Ah bah quoi que non, attendez, là il y avait un pont quand on avait vu au loin. Peut-être qu'on est au pied en fait du dôme. Par contre j'ai entendu un loup gueuler. Je vais prendre la hauteur. On va essayer de voir si on voit des loups. Qui a eu peur. Est-ce que les loups gris peuvent avoir peur? Il était où ce con? Il devait être là. Enfin, je voulais passer par là parce qu'on dirait qu'on peut peut-être y aller. Il y a quoi là-bas?
C'est un loup quoi ça? Ça a l'air d'être un loup noir. Hein. Ouais. Ok, ça va. J'ai un peu trop attendu. Ok, s'il y a des loups noirs, ça veut dire qu'il n'y a pas de loups gris dans le périmètre, en tout cas. Parce que les deux s'aiment pas. Wow! C'est quoi ce changement d'audio là? Vous avez entendu? On dirait que c'est moi qui ai fait une coupure, mais non, non. C'est. Ok, bizarre. Bon, est-ce qu'on peut trouver un lieu ici, là? Je sais pas du tout où il faut aller. Ah, là-bas, il y a encore un cerf, une biche. Hein. Un ruisseau des genouvriers. Le problème, c'est qu'on est un peu lourd. Donc retourner à la grotte maintenant, je suis pas très très fan de retourner à la grotte, c'est loin. En théorie, si c'est le même pont qu'on a vu quand on était en hauteur, ben, mais on était où du coup pour voir ce pont là? Parce que nous on le voyait en devant. On était quoi, là-bas? Ah mais peut-être que si en fait. Il y a la glace là. Enfin, j'en sais rien. Enfin, tout se ressemble un peu pour le moment. Ouais, peut-être qu'on était là et. Ah, mais non, du coup, il y aurait les bâtiments. Non, non, je sais pas. Je sais pas du tout. On va voir. On va passer par là. Peut-être qu'on va être de l'autre côté. Peut-être qu'on verra autre chose. Intéressant. Faut faire attention un peu à notre. Vie, chaleur et. Fatigue aussi là, parce que là ça commence à monter. Je voudrais bien avoir une protection ici. C'est quoi ça? Ça ressemble à une grotte. Il y a des chemins partout. J'imagine qu'il faut monter encore. Après, si on trouve un lieu où le vent est ok, on peut faire un bon feu. Hein. On a du charbon, hein. Donc le feu, il va péter le feu. Hein. Il va être chaud. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je m'en fais pas trop. D'ailleurs. Bon, là, il y a des creux. C'est pas mal pour faire un feu. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit qu'on entend? De l'eau? Ah oui. Ouais, c'est de l'eau, de la glace. Ouais, du coup, ça n'aide pas. Il y a une grotte là. Là c'est bête qu'on puisse pas voir. J'ai pas trop envie de m'avancer parce que vous savez si jamais on se bloque et qu'on peut pas remonter, ça va être la galère. Là, on part dans une galère. Bon, on met trop de temps là. Mmh.
Bon, fais voir. On va regarder s'il n'y a pas un truc, sinon on se met dans un coin et on fait un feu. Parce que là, on va commencer à perdre trop de vie. On n'a rencontré encore aucun loup gris. L'arme de l'ogre. Est-ce que la larme de l'ogre, elle a un... Elle a une grotte. Pas du tout. Pas trop en fait. C'est pas très bien protégé. Ah, là peut-être. Yes, le look marche. J'aime pas. Alors ça c'est un truc que je fais pas trop. J'évite. J'essaye toujours de m'éloigner des endroits d'eau comme ça. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait des endroits comme ça qui étaient super dangereux où c'était. En fait, vous passiez à travers le sol. Donc, c'est pour ça que j'évite. J'évite. Ah, par contre, j'ai pas regardé où on pouvait mettre ça. Voilà. Ah! Ah! Oh, il y a ça comme ça. On va essayer de le rapprocher le plus possible. Ok. Ok, très bien. Bon bah du coup on n'a pas de viande sur nous. Pas trop grave. Un truc qu'on peut faire c'est de l'eau par contre. Parce que de l'eau on n'en a pas vraiment beaucoup. Du coup on peut aller un peu plus vite. Est-ce que je peux préparer quelque chose d'intéressant? Non. Non. Alors ça, je crois qu'il me faut des grandes portions, je crois. Il m'en faut 4, je crois. Tout ça, on va le garder de côté. Alors ça fait quoi? C'est mineur. Et ça fait 125, vous voyez? Donc vous perdez énormément en fait en calories. Donc faut les manger. Si vous voulez plus des calories que l'eau, en fait, faut les manger. Absolument les manger. Ah oui, ce qu'on va faire, c'est du thé. Et là, on va faire de l'eau. Un café, un thé. Très bien. Ça 600 calories, c'est pas rien. On va manger un peu de massette pour le vitamine C. Très bien. Bon, ben ça se passe bien là. Est-ce qu'on peut dormir ici? Je pense que oui. Hein. I wonder if I can drop any of this gear. T'as raison. Ah, c'est le bordel. On va aller récupérer les massettes.
Donc du coup, faudrait trouver un moyen de remonter maintenant. C'est un peu un problème. Faut trouver un endroit pour remonter. Je vois pas trop comment. Y a pas de corde qui traîne. Après, on peut continuer dans la... Ça, où il y avait les serres et tout ça, hein. On peut continuer dans la plaine. Très bien. Ah, le vent se lève ou le vent s'arrête. Ouais, mais je crois qu'ici ça sert à rien. De... Là je vois rien, il n'y a pas de grotte. Là on peut pas monter. Non mais je crois que ça sert à rien de rester là. Donc on va juste se reposer, dormir. Peut-être passer la nuit même. Parce qu'on est très fatigué. Et ouais, et on redescend. Tranquillement. Là on a des massettes, c'est bien. Si vraiment on a besoin de calories supplémentaires, on a de la chasse en bas. Je sais pas si on peut pêcher. Il faut de la glace convenable. C'est quoi la glace convenable? La glace pas trop épaisse. Ah, le feu, il y a très très peu de chances qu'il soit soufflé. Hein, maintenant. Très peu de chances qu'il soit soufflé. Ben, ça va, on peut dormir de là, c'est très bien. On a un bon endroit là, on a un bon endroit. On a une quarantaine de massets, c'est très bien. On a ça, ça, ça. Ça c'est pour faire un arc et des flèches, c'est bien. On va le garder. On est lourd par contre. On est lourd, ça c'est un tout petit problème. On peut peut-être faire un café supplémentaire avec une tisane supplémentaire, peut-être. Comme ça, on en a deux d'avance. Ça, on est bien. Ça, on est bien. Après, on a... Ça, on va les sortir, parce que sinon, je vais pas les voir et ça va m'embêter. On en a toujours en avance. Ça, c'est bien. J'essaye toujours, vous savez, maintenant, je pense que vous avez l'habitude de voir comment je joue. Là, on en est en avance. Tant qu'on n'est pas en dessous des 5, ça va. Donc tout ça, on peut en boire beaucoup, en fait. On peut se débrouiller. On a plein d'allumettes, c'est un bordel. Est-ce que le vent peut être soufflé d'ici? Je sais pas trop. Je dirais que non, mais... Voilà, quoi. C'est compliqué, hein. Alors, comme j'ai dit, on veut... Non, pas d'eau. Ça. Un café. Et... Une tisane. Très bien. Je pense qu'on est bon. Je vois un peu le bois, enfin tout le combustible qu'on a. On a quoi? On a 4 charbons. On va balancer ça parce que ça c'est lourd. 6 heures. Très bien. Alors encore une fois, est-ce qu'on prend une tisane ou pas? J'en ai qu'une seule? J'en ai pas fait. J'en ai pas... Non, pas grave.
Ah, mais je l'ai... Non, je l'ai pas réchauffé. Oui, non, si, je l'avais réchauffé. J'ai réchauffé celle qu'on avait, pardon. On n'est pas créé une nouvelle, en fait. Je pense qu'on va la prendre, la tisane. Pour pouvoir... On a 6 litres d'eau, c'est parfait. Pour pouvoir récupérer un peu de vie, quand même. Je dirais. J'ai envie de la jouer safe, en fait. Très bien. Comme j'ai dit, on va compléter ça avec des massettes. Ouais, on va compléter ça avec des massettes. On prend un peu de ça aussi. Ah, 0,05, c'est pas mal. C'est bon. On est très bien. Ouais, niveau vitamine C et tout ça, je pense qu'on est bon, on n'a pas de problème. On va dormir. On va dormir au moins une dizaine d'heures. Attends, 10 heures. On est à 7 heures. On va dormir. Le problème, c'est que il y a une chance qu'il se fasse souffler, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Je suis assez confiant. Ok, nickel. J'ai eu raison d'être confiant. Donc on a une tempête. Une tempête pour le moment. On a encore 3 heures de feu. Elle est violente la tempête ou pas? Ouais, non, elle est violente. Ouais. Ouais, moins 26, protégé du vent. Elle est méchante. Elle est méchante. Si jamais le feu se fait souffler, on a des allumettes et tout ça, donc il n'y a pas vraiment de problème. Mais j'en ai pas fait de... J'ai pas tout fait. On a encore 3 heures de feu. Donc, ça, on en a plein. Donc, ces deux trucs, on peut les utiliser pour se réchauffer. Bah tiens, on peut en faire de supplémentaires. C'est combien de doses dans... là-dedans? Euh, 3, 6, 7, 8. 8, on a 4, 5, 6. On va en faire 2 de plus. Enfin, je peux faire ça en fait. Oh, il a été soufflé. Il a été soufflé. Je vais pas le refaire fonctionner lui parce que le feu là je parle, Philippe Doche. Parce que s'il est exposé, perfect. Il peut se refaire souffler en fait. Ok, on va faire attention. On va attendre un peu que le vent se calme. Qu'est-ce que je voulais faire moi? 5, 6, 7, 8.
Ouais, ça, c'est... On va en faire une de plus. Ah ouais, 15 charbons, c'est peut-être un peu trop. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qu'on va faire, c'est faire chauffer... Parce que si je me rappelle bien, si on met le thermos à côté d'un feu, il reste chaud. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Oh là là. Mon dieu. Ok, on est bon. Tout le monde est en train de chauffer. Faut pas que ça brûle par contre. Brûler dans 35 000, oui, ça va en même temps. Ok. On est bon en chaleur. Parce qu'il y en a un qui était pas très très chaud. Ouais, ça va, on est au max. Normalement, la gourde isotherme, on la laisse près du feu, elle devrait rester chaude. Je crois. Ou alors même si c'est sur nous et qu'on reste près du feu, ça reste chaud, je crois bien. Et ben, il n'y a pas grand-chose à dire ou à faire là. On a combien de tissus ? Faire ça. Ah, il fait froid, hein. Voilà. Il y a du charbon. On va détruire notre torche, ça fera un bout de bois en plus. Ça se passe ok pour le moment. Ça se passe ok. C'est quoi ce qui est le plus lourd là de ce qu'on a? Je pense que niveau calories poids, je crois que c'est les massettes en fait qui sont le moins bien là. Ah, peut-être 0,40 pour 1100. Ça c'est vraiment bien là, les 0,20, 1200. Donc ça on garde. Après il y a ceux-là. Après, je crois que ça, c'est 0,05 pour 300. Ouais, non, ça va, on a des bonnes calories. Ça, c'est 0,05 pour 150. Ça a été soufflé. Ça a été soufflé. Ouais, c'est un problème ici. Faut que le temps se calme. Absolument que le temps se calme, sinon sinon on retourne dans la grotte. Faut juste genre partir, longer le côté gauche, descendre ou longer le côté gauche, on est bien.
c'est pas très très grave, hein. C'est pas très dangereux non plus, ça va. J'aurais bien voulu en fait dormir un peu plus là. Ah, que ça se calme. I'm not sure I can carry much more. Ah, c'est très très embêtant. Ah, peut-être qu'on va perdre l'eau. Non, c'est pas grave. De toute façon, on en a beaucoup. On a 6 litres. Non, ça va. On fait heure par heure pour éviter les problèmes parce que hein, il a l'air de faire très froid. Ça a été soufflé. On pourrait remettre du feu, mais j'ai pas vraiment envie. Je pense qu'on va partir. Là, on est en train d'utiliser toutes nos réserves. Et ça a pas l'air de vouloir se calmer en fait. Bah attendez, est-ce qu'on a le temps de faire chauffer un truc? Non. Tiens, on n'a pas froid ici? Ah! Oh là, non, si c'est là. Ah, c'est vraiment pas fun. Par contre, faut que je retrouve le chemin. Je crois que c'était par là, tout droit, et ça descend. Quand ça descend, on est sur le bon chemin. Protégé du vent. Wait, I'm so cold. I'm warming up a bit. C'est pas fun. Ouais, non, là c'est pas fun du tout, c'est bête. Là notre exploration a été complètement coupée là. Par contre, j'espère que je vais retrouver le chemin de la grotte. Parce que là, je suis pas certain. Pas de champignons, on les a peut-être pris.
prends du bois au cas où je trouve pas la grotte. Et on se mettra dans un coin et on fera du feu. Non, c'est bon, on est bon, on est bon. C'est juste là. Bon, mais c'est un peu relou, mais bon, on va s'arrêter là, quoi. Ce qui est embêtant, c'est que on va être dans la nuit, là. Mais ouais, non, on peut pas continuer, hein. Ça nous a tué l'exploration, là. Ah non, là, on peut plus, là, on peut plus continuer. Man, this pack is getting kinda heavy. Ah non, là, c'est fini, là. Là, c'est fini. Là, c'est encore chaud. On tape un peu dans les réserves, un tout petit peu trop à mon goût. Mais ça devrait aller. Ok. Bon, on va dormir le plus possible. Pour récupérer toute notre vie. On n'a pas perdu énormément, donc ça va. Et je crois que ça va être la fin de notre épisode, hein, tout simplement. Et après, on verra. On avisera si jamais il fait beau et que... Bon, on va être en pleine nuit, mais si jamais il fait beau, on continue. Ou alors peut-être qu'on essaie de pas trop dormir. Ah, je sais. Si on n'est pas extrêmement fatigué, mais on sait pas combien de temps ça va durer, ça. On va voir. On peut dormir. Genre, on peut voir. S'il y a encore la tempête, on dormira et on arrêtera. Ça s'est calmé. On est lourd, hein. On est lourd, lourd, lourd. Ça, c'est l'eau surtout. Ah oui, il y a une sorte de bug maintenant où ça... Quand vous mettez genre une deux bouteilles de 1 litre... Il y a une grosse et une petite qui se mettent. Les petites, normalement, c'est 500 ml. Mais voilà, nouveau bug hein, avec la partie 5, évidemment. Bon, on va voir si on peut avancer un peu notre exploration. Ça va, il fait pas extrêmement froid. Par contre, on est très très lourd, hein. Ça c'est un peu le problème. On pourrait aller prendre de la viande pour sécuriser un peu le bordel. Mais après, il faudrait la faire cuire, du coup. Je sais pas, je pense pas qu'on en ait vraiment besoin pour le moment. Ça nous ralentirait plus qu'autre chose. Ça nous ralentirait plus qu'autre chose. On va en profiter pour... Vu qu'il fait pas trop froid, là, maintenant, on en profite pour récupérer du bois. C'est un ours, ça ? Non. Récupérer du bois, essayer de trouver quelque chose, des habitations, quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien camper un peu, enfin je mets un peu de temps à me décider de partir quand on est près des grottes. C'est pour éviter les blizzards évidemment, tout simplement. Devant, on a du bois à couper. Pousse du géant. Okay. Ça ressemble à un pouce, une empreinte de pouce. Faudrait peut-être que je les apprenne aussi ces bois. Là, je sais pas, c'est quoi? C'est des flèches, hein, encore? Chaque fois, il faut que je regarde, c'est fou. Ah, mais on est vraiment chargé. On doit être proche des 55 kilos. C'est pas vraiment une bonne chose. 51. Donc, on sait que là-bas, c'est plus ou moins un cul-de-sac. Là, c'est la grotte.
Après, on a le... Là, ça a l'air de descendre. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose. Vu qu'on a déjà dormi pas mal de fois, je sprint un peu, déjà pour aller plus vite, mais aussi pour qu'on se fatigue. Comme ça, on peut dormir pendant la nuit. Je vois pas grand chose. J'essaie de voir s'il n'y a pas des cordes en fait qui pendent. Il faut retrouver un moyen de remonter en fait. Okay. Bah, là on est dans une bonne zone honnêtement pour survivre. Hein. Plein d'animaux et des massettes, il y a du bois, un peu à foison, il y a la grotte. Jesus, it's cold. Là, est-ce que là-haut c'est pas une grotte ça? Peut-être une grotte. Là on a encore des cerfs. Bon, maintenant il faut trouver encore un nouvel endroit pour se reposer. On entend des loups à droite. Ah, là-bas il y a du bois. J'ai entendu des loups, hein. J'ai entendu des loups en contrebas. Oh, faire attention. Loup. Par contre, je tremble un peu. Ah, mais j'avais toujours les crampons aussi. Ma faute. C'est pas un gris, ça. Non. Maison. Attention, il va peut-être revenir. C'est bizarre, on m'a dit qu'il y avait plein de loups gris et tout ça, que je devais faire attention. On est dans la bonne zone? Est-ce qu'on est dans la bonne zone? Il y a plein de cerfs, il y a plein de lapins. Mais c'est sympa. Ah, on peut pas rentrer. Si. Dernière maison isolée. Ça veut dire quoi, dernière maison isolée? Faire du bois à l'arrière, c'est bien. Ça c'est un feu protégé, ça c'est utile. On a un établi, c'est bien. Oh, ok. Je pensais que la porte allait s'ouvrir en fait. Une vieille clé de maison. Quoi, il y a une arrière en fait. Il y a une salle arrière. Ah bah c'est bien. On a une poêle à, poêle à bois à l'intérieur. On a du bois. Je vois pas grand chose. Je vais pas utiliser ma lampe parce que j'ai pas envie de la gâcher. On peut même faire un feu à l'extérieur, en fait, ça qui est bien. Et le feu, il est protégé, c'est dans un bidon. Donc peu importe s'il y a du vent et tout ça. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top, top, top. Bon.
Bah nickel, je vais ressortir, re-rentrer. Pour sauvegarder. Enfin, quoique, attendez, on dort ou pas? On n'a pas vraiment besoin, pas encore. Non, mais on n'est pas trop fatigué en fait. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire une petite réserve de bois ici. Ah, attendez, un truc qu'on peut faire. J'arrête pas de s'en sortir, rentrer. Ça fait des courants d'air de faire ça, c'est pas bien. Voilà. Très bien. Faut qu'on change de vêtements aussi. Je crois que ça sert un peu à rien que je fasse ça là. Je change vraiment parce que quand on est à zéro, on est à zéro quoi. Pour la chaleur. Mais c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Je vais prendre du tissu. Tout ça comme ça, j'oublie pas. Très bien. Bon, je ressors et re-rentre pour re-sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Ah là là. Et on va s'arrêter là, du coup. Et je pense qu'on va pas dormir maintenant, parce qu'en fait, elle est pas tellement fatiguée. Vous voyez, elle est pas tellement fatiguée. Donc ce que je voudrais, en fait, c'est explorer un peu pour aller récupérer genre un peu de bois. Faire un gros tas de bois, peut-être ici, à la limite. Peut-être réparer des choses, casser des trucs, je sais pas trop quoi. Et après... Et après, on... on repart en exploration. Peut-être chasser pour un peu avoir de la viande. Comme ça, on tape un peu moins dans les ressources qu'on a. Genre, histoire de se mettre la barre pleine. Genre la barre de faim, là, au maximum, avec la viande. Puis après, on partira. Ouais, non, on est bien, là. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Ça se passe plutôt bien, on avance tranquillement. Je pense qu'on n'a pas encore vu les loups gris parce qu'on n'est pas vraiment dans la zone genre importante. Mais c'est sympa pour le moment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.